la liberté, le bonheur et la santé, ça tient en un mot, oui c'est le vélo. Monsieur Props, bonjour. Bonjour. Nous vous avons déjà accueilli dans nos locaux à Beauvais afin de parler de votre livre et de votre fabuleux voyage de 40 000 km de Sydney à Neuchâtel. Aujourd'hui, vous nous recevez chez vous, dans votre musée, si on peut ainsi dire. Tout à fait. Vous êtes également connu donc, pour d'autres épopées, hein, 6 000 km à travers les États-Unis, Paris-Dakar à vélo. Vous avez également participé à de nombreuses courses, notamment le Tour de France en tant qu'assistant et mécanicien. On peut dire que votre royaume, c'est celui de la petite reine. Hein, donc, on aimerait bien que vous nous expliquiez, à nous et à nos téléspectateurs, d'où vient cet amour pour le vélo. C'est un amour, je pense, héréditaire. Ma mère avait 11 frères qui étaient, quand tous pratiquaient le cyclisme, soit amateurs jusqu'à indépendants à l'époque, puisque... Il y avait, les pros n'étaient pas encore développés comme le cyclisme actuel. Donc je pense que c'est de là. Et aussi par obligation, mon père étant malade, avait un régime spécial et il travaillait sur les chantiers. Et tous les jours, depuis l'âge de 10 ans, je devais lui amener son repas à vélo. Donc c'est peut-être là que je me suis découvert aussi. Et puis c'est une manière pour moi de m'exprimer. Disons, je suis assez... C'est pas dire solitaire, mais j'aime bien faire des choses par moi-même, autodidacte. Comme que j'ai. Et j'ai trouvé, disons, dans ce sport, ma manière à moi de m'exprimer. Ce qui m'est venu souvent dans mes analyses ou bien dans ma rétrospection de toutes les activités que j'ai faites là-dedans, c'est le partage qui est important. Que j'ai mené des courses ou des choses comme ça, la rigueur, c'est secondaire, mais d'avoir pu partager cette passion avec d'autres, ça c'était quelque chose d'un partage extraordinaire. Mais bon, on peut dire que vous êtes allé quand même un peu au-delà, parce que vous n'êtes pas seulement contenté d'enfourcher un vélo et puis de pédaler, vous avez fait un peu plus le tour de la question. Vous avez eu donc un magasin, vous avez fabriqué vos propres vélos, vous faites encore aujourd'hui des vélos sur mesure. Quand on voit le vélo, quand quelqu'un qu'on voit pratiquer du vélo, on croit qu'on achète un vélo, un rouge, un bleu, un vert, un jaune, alors que c'est vraiment un équipement personnel. C'est la base. Comme vous l'avez signalé avant, quand j'avais mon commerce, disons, je vendais un vélo, je vendais pas un vélo, mais je disais au client, je vendais ton vélo. Puis quand au début, ça surprenait un petit peu les gens, comment ça, ton vélo, mon vélo et tout. Et donc, c'est différents paramètres du corps humain qui va nous déterminer la hauteur du cadre, la longueur du cadre, la potence, la largeur du sein, c'est-à-dire du guidon, la longueur des manivelles, etc., etc. Et quand on part dans ces détails-là, il y a des gens qui sont des fois un peu surpris. Ils disent, tiens, moi je voulais un vélo vert, mais je sais pas. Alors que le vert n'était pas du tout adapté à sa morphologie. Comme on dit des fois, on voit les gens qui ont l'impression d'être comme une grenouille sur un goulot de fontaine. Ou bien qu'ils se plaignent, j'ai mal à la nuque, j'ai mal au dos, j'ai mal au derrière ou ailleurs. Quoi. C'est simplement, c'est que déjà la position à la base n'est pas du tout adaptée. C'est-à-dire que le vélo n'est pas adapté à la morphologie du cycliste. Donc ce sont tous des petits détails comme ça qui font de pratiquer ce sport avec plaisir, quoi. Avec plus de facilité. Et surtout, c'est un sport, disons, c'est un peu piégeux aussi, en sens. Il y a des clients qui me disaient, ah, ben demain, je fais le tour du lac. Alors, je leur remboursais le prix du vélo, mais en 100 francs de plus. Parce que je leur disais, ça vous arrive à estavailler, vous prenez le bateau, vous rentrez, vous ne remontez plus sur votre vélo. Au lieu de faire, d'y aller progressivement, c'est un rodage comme une voiture. Donc, voilà, c'est toute cette passion que ça me fait plaisir de le partager. La liberté, le bonheur et la santé, ça tient en un mot, oui c'est le vélo. Alors j'ai la chance ici dans mon petit local d'avoir pu mettre un petit peu en valeur les différents maillots de mes ex-idoles, enfin qui sont toujours des idoles mais qui ont pris certains en prix de l'âge. Par exemple ici on a le maillot de Tony Rominger qui était à l'époque un de mes idoles dans ce sport qui m'a beaucoup amené.
Ensuite, ici, c'est un maillot aussi qui me tient vraiment à cœur, le maillot de Steve Zampieri, qui avait été meilleur grimpeur du Tour de Suisse et du Tour de Romandie la même année. Ceci-ci, là, c'est un maillot du Tour de Suisse, du classement par points, avec différentes signatures dessus, de grands champions comme Andy Amstein, Gianni Bugno, d'ailleurs c'est Bugno qui me l'avait remis. Ça, c'est le maillot de Cadel, donc Cadel Evans, quand il était numéro 1, puisqu'on est en course en dossard de numéro 1 au niveau du VTT, donc au niveau mondial. Et c'est son maillot dédicacé qui m'a donné un remerciement de tout ce que j'avais fait pour lui déjà à ses débuts en Europe, quand il est arrivé, encore tout jeune, à l'âge de 18 ans. Donc, Cadel Evans, entre guillemets, un peu votre protégé. Pouvez-vous nous raconter, en fait, comment vous l'avez rencontré ? Oui, mon protégé, lui, me considère comme son père. Ça me fait toujours sourire et ça me prend un petit peu à la gorge quand il dit ça, que je suis son père. C'est vraiment par hasard, je me rappelle, c'était au mois de janvier, il faisait très froid. Il est arrivé un gars avec un jeune blond comme ça, qui chiait de froid, je m'excuse du terme, mais vraiment c'était le cas. C'était ce jeune Cadel Evans qui débarquait d'Australie et qui avait mon adresse, qui ont dit « si tu veux faire du vélo, tu vas en Europe, voilà une adresse ». Et il était déjà en contact avec IMG à l'époque, et c'est un des employés d'IMG qui aime me présenter et qui m'a dit « voilà, je te présente un jeune futur cycliste ». Et tout de suite, moi, j'ai eu un tilt avec lui, et lui a la même chose avec moi. Parce que débarquant d'Australie à 40 degrés, arrivé ici avec des températures en dessous de zéro, il débarque chez moi, j'avais mis le maillot de l'équipe nationale de rugby australienne contre mes murs, comme toujours, dans des maillots de vélo. J'avais la combinaison de Stephen Hodge des Jeux Olympiques de 92 de Barcelone et tout. Il avait l'impression de se retrouver un petit peu chez lui et tout, alors qu'il était complètement déraciné. Et tout de suite, entre lui et moi, ça a passé, on a eu un contact. Je ne vais pas dire le coup de foudre, mais c'est presque ça. Et depuis ce jour-là, moi j'ai fait beaucoup pour lui, mais lui me l'a rendu, je peux dire, au centuple. Ce n'est pas parce qu'il est devenu le champion qu'il est, il n'a absolument pas changé vis-à-vis de moi. Donc c'est ce côté simple. Comme on dit, il n'a pas chopé la grosse tête. Et toujours, quand il me téléphone, il me demande toujours comment ça va, comment va Marie-Claire, enfin, c'est qui mon ami, etc. Donc, c'est toujours, c'est pas pour profiter, voilà, disons, le mot, c'est vraiment un partage qu'on a entre les deux, quoi. Et sur les courses, il est toujours content de me voir, c'est pour ça que j'aime bien être sur les courses quand il est avec lui. C'est pour ça que quand je travaille pour Mavic, dépannage neutre, donc je suis pour tous les coureurs, quand il est dans l'échappée, des fois, je suis presque pas, un petit peu moins neutre, j'espère toujours. Oui, d'ailleurs, vous avez parcouru 160 km durant une journée de repos pour aller boire champagne avec lui. Oui, oui, tout à fait. Aussi un petit peu à l'insu de mon bon gré, le matin avec l'équipe Mavic, on a fait une petite sortie pour se dégourdir les jambes, parce que les journées entières dans la voiture, c'est pas droit l'idéal. Et il m'a dit, écoute, il m'a téléphoné, viens à la réception qu'il y avait avec la presse et tout. Donc comme j'avais déjà fait 100 kilos le matin, j'ai fait 60 kilos l'après-midi pour aller à cette réception. Et je dois dire que là, il m'a mis dans une situation qui m'a laissé un souvenir incroyable. Quand il m'a présenté à toute la presse mondiale en lui disant que lui, c'était un rigolo, que moi, j'étais un champion et je suis son héros, donc c'est à moi qu'il fallait que le journaliste me pose des questions. Je dois dire, quand je suis rentré, j'avais la larme à l'œil pendant les 30 km qui me restaient pour rentrer jusqu'à mon hôtel. Là aussi, on a un numéro 1, c'est un autre numéro 1, c'est-à-dire c'est le dossard de Lance Armstrong qui m'a remis lors du Tour de France 2004 avec sa signature, qui est aussi un... Je suis content de l'avoir là, un souvenir de ces tours que j'ai fait derrière lui souvent avec la voiture pour le dépannage. Là, c'est le cheikh du Qatar, à l'occasion du premier tour du Qatar que j'étais allé comme technicien pour le dépannage, qui m'a remis ce certificat avec un cheikh
que malheureusement, étant pas bédouin encore, j'ai pas eu bien trop de le mettre. Mais c'est un souvenir aussi d'une découverte d'un pays et d'une mentalité complètement, disons, un petit peu exotique pour le cyclisme, qui est venu une course maintenant au calendrier international. Dans votre parcours de cycliste, hein, que ce soit à travers vos voyages ou les courses pour lesquelles vous avez été assistant, donc quel est votre meilleur souvenir ? Question piège, je dirais. Je m'en ai presque le joker. J'ai tellement eu de souvenirs extraordinaires. J'ai des gars, que, par exemple, à part Cadel, j'avais par exemple, je me rappelle toujours, du premier Paris-Roubaix que j'ai fait quand j'étais derrière Thomas Wegmüller, qui a fait deuxième parce qu'il se fait battre au sprint par Dirk De Wolf avec le sac en plastique dans le dérailleur. C'était le moment qui sont des moments extraordinaires de plaisir et en même temps de frustration parce que je me dis peut-être qu'il aurait pu gagner. C'est des moments, toujours sur Paris-Roubaix. J'en dis, cette année, je vais faire le 18e Paris-Roubaix. J'avais un idole, sur cette course-là surtout, qui était un gars superbe, c'est Johan Museeuw. Quand il a gagné le dernier Paris-Roubaix pour la troisième fois, et après l'arrivée, qui m'a remis son maillot encore avec la boue, etc. Ça, ce sont des moments superbes, quoi. Mais c'est la mentalité du cycliste, j'entends quand même. Et ce qui est extraordinaire, même à l'époque, en étant coureur, petit coureur, je dirais, sur le vélo, jusque dans le final, on est copains. Le final de la course se fait, tout tiré, on a des adversaires, et dès que la ligne est passée, on est renouveau, comme avant, j'entends, c'est ce côté. Donc le cyclisme, c'est ce qui m'a amené, ma passion, le plaisir, des moments de partage extraordinaires, et des fois des moments aussi de chagrin pour une chute, ou voire de moments beaucoup plus, comme dans la vie, beaucoup plus graves, quoi. Et puis alors, donc aujourd'hui, vous avez fait quasi le tour du monde à vélo, hein, on peut dire ça comme ça. Donc vous avez côtoyé les plus grands du cyclisme aussi, vous avez participé aux plus grandes manifestations. Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé à votre but ? Est-ce que vous êtes arrivé au bout de vos rêves ? Ou est-ce que vous avez encore des choses à accomplir ? Moi je dis, il faut toujours avoir des rêves, c'est ce qui fait avancer. C'est un fait que j'ai déjà fait beaucoup dans ce milieu de la petite reine. J'aimerais peut-être une fois la voir, la petite reine. C'est peut-être pour ça que toujours, je ne veux pas dire de nouveaux défis. Donc j'ai toujours la chance de rester dans ce milieu pour de différentes épreuves qui me tiennent à cœur, comme le Tour de France par exemple. J'ai été responsable technique des Jeux Olympiques de Sydney, qui était une expérience extraordinaire de m'occuper de ce service de dépannage pour le monde entier, ce qui m'a fait. Toujours, c'est le partage et la découverte d'autres personnes, d'autres mentalités, d'autres cultures. Donc, c'est vraiment le cyclisme, comme je dis toujours, c'est comme la vie, quoi. Et j'espère encore découvrir d'autres choses. La liberté, le bonheur et la santé, ça tient en un mot, oui c'est le vélo. C'est un des maillots aussi, vraiment, que j'ai énormément de plaisir de l'avoir, surtout avec les parements de champion du monde. C'est le maillot de Laurent Jalabert, qui était pour moi un des grands monsieur de ce sport, au niveau coureur, en tant qu'homme aussi. Donc vraiment, c'est avec plaisir quand il me l'a donné, avec encore son dossard, lors de l'arrivée finale du Tour de Suisse. Et pour moi, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir son maillot aussi dans ma petite collection. Le célèbre maillot à pois, qui a connu ses heures de gloire, surtout avec notre ami Virenque, Richard, qui l'a gagné, je crois, six années de suite, qui a marqué le Tour de France par son empreinte, pour pas dire plus. Justement, je voulais vous demander, en fait, que pensez-vous du cyclisme aujourd'hui, de son évolution, du moment où la première fois vous avez mis donc les pieds sur un vélo, à ce que vous voyez en fait aujourd'hui, ce qui se passe un peu dans les courses, un peu ces polémiques qu'il y a autour du cyclisme. Le cyclisme, bon, qui a vraiment une incroyable évolution. Quand je pense au début, quand je pratiquais en amateur et autres,
disons, je prends déjà sur le plan national, on avait très peu de professionnels. Qu'est-ce que c'était un professionnel à l'époque? On les prenait déjà pour des surhommes, alors que c'est des... Je me rends compte que ce sont des hommes tout à fait normaux et tout. Donc il y a une évolution un petit peu comme la société, où ça a un petit peu changé de temps en temps. Il fallait que ça change quand même. Il fallait qu'il y ait une évolution déjà au niveau salarial, etc. Quand on compare avec les footballeurs, je peux dire encore qu'actuellement, les cyclistes sont encore des parents pauvres de ce sport. Mais l'argent, ça fait quand même une certaine dérive. C'est le jeune qui peut se laisser influencer ou facilement influençable si un gars de, enfin de l'ancienne école, je dirais, s'occupe de ses intérêts. Mais je pense quand même que le cyclisme, comme d'autres sports, j'espère, ou je pense, est gentiment sur la bonne voie. Parce qu'avant, il fallait être bête ou belge pour faire du vélo. Tandis que maintenant, le cyclisme est aussi un sport. D'ailleurs, la preuve, beaucoup. Il y a un mélange de mentalité. Avant, on n'était que les Européens. Tandis que maintenant, il y en a des coureurs du monde entier. Et qu'il y a une évolution qui doit se faire que pour le bien de tout le monde, quoi. Pour vous, aujourd'hui, on évolue dans le bon sens. Oui, je pense quand même qu'on évolue dans le bon sens. Les coureurs aussi se rendent compte que certains avaient poussé le bouchon un petit peu trop loin et tout. Et on ne sait pas, justement, ce que réserve l'avenir. C'est-à-dire simplement au niveau de leur santé, quoi. Parce que justement, un cycliste, il est encore maître de sa santé, il est encore maître de ses choix aujourd'hui dans une course. Je pense que oui. Bon, il a sûrement, comme partout, des pressions ou des fois... Mais le gars intelligent et tout, il a quand même encore le choix de pouvoir, de savoir ce qu'il veut, je dirais, oui ou non. Mais ça, c'est une question d'intelligence et de personnalité. Mais je ne pense pas qu'on va obliger quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. Mais des fois, c'est un fait que ça peut les pousser. Comme je disais tout à l'heure, avec l'argent qui est induit dedans, les sponsors, il y a beaucoup plus de... beaucoup plus médiatique. Mais j'espère, je pense que, comme toute la société, mais spécialement pour moi, c'est ce qui me touche le plus dans le cyclisme, que les gens commencent à ouvrir leurs yeux et se rendre compte qu'ils allaient droit dans le mur, comme on dit vulgairement. Et après, c'est une question personnelle, c'est comme sur l'autoroute, on est à 120 à l'heure, on se fait dépasser, mais on voit ceux qui prennent des risques. Il y en aura toujours. Donc éradiquer, malheureusement, je dirais, faut pas rêver. Mais la plupart, quand même, la plupart... Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il subsiste toujours un peu cet esprit de suspicion, de discrédit, et on ne peut pas toujours attribuer donc, les résultats à l'homme, en fait. On se demande parfois à qui il faut bien les attribuer. Ça, c'est vrai que chaque fois qu'un coureur, il y a un exploit, on a toujours, un petit rictus, on se dit, ça c'est... Mais le coureur sérieux, pour moi, le coureur sérieux et tout... On peut gagner des courses, des grandes courses, sans avoir cette manière, je dirais, de prendre des produits interdits. Hein. Mais comment on peut se rendre compte, des fois, c'est que souvent, la médecine est plus avancée que les contrôles. Mais moi, je crois quand même que c'est un sport, le sport devient sain, mais malheureusement, il faut toujours... avoir des fois quelques petits doutes. Très bien, mais on peut espérer en tout cas que ça va aller dans le bon sens. Monsieur Props, donc je vous remercie de nous avoir reçus et d'avoir partagé avec nous et nos téléspectateurs votre avis éclairé de connaisseur et de professionnel sur le monde du cyclisme. Je vous remercie à vous et puis j'espère comme vous, c'est mon plus grand souhait que le cyclisme aille dans le bon sens, pas dans un sens interdit.